Comment développer une intelligence artificielle qui soit capable de déverrouiller votre smartphone grâce à la reconnaissance faciale? Pour ça, vous avez besoin d'un modèle de deep learning appelé réseau de neurones convolutionnels. Il s'agit d'un modèle qui prend en entrée tous les pixels d'une photo et qui prédit en sortie le nom de la personne qu'il y a sur la photo. Pour ça, le modèle est composé de tout plein de filtres placés les uns derrière les autres et que l'on appelle des convolutions. Ces filtres permettent de transformer les pixels d'entrée pour obtenir des formes et des structures qui facilitent le travail de prédiction du modèle. En fournissant tout plein de photos de vous à ce genre de modèle, celui-ci construit donc des filtres spécialement dédiés à la reconnaissance de vos traits personnels, comme votre nez, votre bouche, vos yeux, etc. Si vous voulez créer vous-même ce genre de modèle, commencez par installer Python ainsi que TensorFlow sur votre ordinateur. Ensuite, importez un réseau de neurones déjà entraîné sur la base de données ImageNet. Ainsi, votre modèle dispose déjà de filtres capables de reconnaître des visages. Tout ce que vous avez à faire, c'est donc de terminer son apprentissage avec quelques photos de vous. Et voilà, vous savez désormais